avez atteint votre destination. Ellie, c'est quoi ça? Sympa, non? C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'être propulsé par un lanceur Hot Wheels Grandeur Nature. Le principe reste à peu près le même. Ça a été du boulot, mais c'est prêt. C'est le parc à thème le plus grand et le plus rapide au monde. Allez, viens, on a une catapulte à prendre.
pieds au plancher. Et si on faisait une petite expérience? Ça te dit d'associer ta vitesse au corps? C'est parti! Avant qu'on t'intègre à l'académie en tant que novice, tu vas devoir réussir une manche de qualification. Je t'attends ici avec Alejandra. Tu commences en tant que novice, ce qui veut dire que tu n'auras pas accès aux voitures les plus rapides avant d'avoir gravi les rangs de l'académie. On préfère éviter les sorties de piste. Les copains, les copines, le Hot Wheels Park, nous y sommes, votre destination aérienne pour tout ce qui touche au Hot Wheels. Il va nous falloir une légende, hein. Bon, sinon, pour info, bon, moi j'ai aucun problème de vertige. Bon, c'est vrai que j'avais les yeux fermés pendant toute la montée, que j'ai pas trop regardé à quelle altitude on est, mais je suis sûr. Oh, si je me pense là. Bon, ça va, tout va bien. Ça fait beau quand même. Sinon, le parc, ça tourne pour vous aussi? Je vais peut-être vous passer un petit truc là avant de... Ah. Passe cette manche de qualification et on te laissera t'amuser dans les épreuves novices. Mon boulot, c'est de trouver la légende Hot Wheels suprême. Alors, j'ai fait appel à Alejandra pour organiser les qualifications. Merci, Ellie. Allez, c'est parti. Garde ton sang-froid. On va sur le circuit de glace. En route. Allez, première manche de qualification. Montre-moi ce que tu vaux. Monte cette pente le plus vite possible. Ne regarde surtout pas en bas. Ok, prépare-toi. Circuit de glace en approche. L'adhérence sera réduite, alors modère ta vitesse. Pas encore une légende, mais il y a du potentiel. Je dirais à Ellie que tu peux entrer à l'académie en tant que novice. Salut Frédéric. Voilà ta récompense pour avoir réussi les qualifications. Tu es maintenant novice à l'académie. Tu trouveras un tas de nouvelles épreuves dans ton planning. Termine-les pour gagner des médailles. Et tu seras la légende Hot Wheels la plus rapide du monde en un rien de temps. Alors, qu'est-ce que tu décides? Les grands esprits se rencontrent. La bonne nouvelle, c'est que ta destination actuelle est parfaite pour ma mission recommandée. Rends-toi sur la ligne de départ. Si jamais tu veux modifier la mission sélectionnée, consulte l'académie pour voir ce qui est disponible.
avez atteint votre destination. C'est une course périlleuse. Je te conseille un véhicule tout-terrain. Tu serais surpris de savoir combien le plastique peut être difficile. Cette course se passe sur la glace. Fais bien attention dans les virages.
pourrais carrément gérer. Enfin, si ça te dit. Si près qu'elle a une super caisse aux Twins et que c'est bien piloté et que ses collègues la respectent. Mais vous savez ce que j'ai.
Les célébrations Hot Wheels montent en puissance. On va faire un documentaire sur l'histoire de la marque. Rejoins-moi, j'ai besoin de toi. Écoutez pas ça, Rena. Hey, vous avez envie d'en savoir plus sur le Twix? Si c'est le cas, allez en discuter avec Eddie. Elle aimerait bien embarquer quelques superstars pour discuter de l'histoire de ces voitures miniatures. Ah, et puis, c'est très intéressant. Elles avancent plus vite si vous faites des bruits. C'est comme ça. Dans 100 mètres, à gauche. Alors, où est notre invité spécial, l'experte Hot Wheels? T'as pas encore deviné, hein? Viens! Qui se réalise. Je me suis dit que j'allais inviter des amis qui voulaient exhiber leur voiture inspirée des Hot Wheels. Bon, j'ai des fiches d'informations. Tu vas apprendre au fur et à mesure qu'on avance là. Je vais juste appuyer sur enregistrer et... J'aurais jamais deviné, Ellie. Me lâche pas d'une semelle. La plus grande experte Hot Wheels du monde va te faire un cours magistral. Tout a commencé avec un ingénieur appelé Elliot Handler. En fait, dès le départ, Elliot a imaginé une petite voiture qui était stylée et qui roulait vite, ce qui la rendait beaucoup plus fun pour les enfants. À l'époque, il n'existait rien de comparable. Handler a recruté Jack Ryan, ancien ingénieur en aérospatial, et Harry Bradley, designer chez General Motors. Ensemble, ils ont conçu les 16 premières voitures, qu'on appelle les Original 16, ou les Sweet 16. L'équipe de Jack a développé des axes de roues en acier inoxydable et des moyeux d'ailerin qui permettaient aux voitures de rouler super vite, tandis qu'Harry s'est occupé de les rendre stylées. Harry et Jack sont à l'origine des piliers de Hot Wheels, la performance et le look. La Camaro Custom a été la première voiture produite et elle ressemble beaucoup à celle que tu conduis en ce moment. Ah, je comprends tout. Ouais. Et dans les Original 16, il y avait aussi la Custom Flipside, basée sur la Chevrolet El Camino Custom de Harry, comme celle que je pilote. La plupart des premiers modèles s'inspiraient de Hot Rods et de Muscle Cars, qui étaient en vogue en Californie à l'époque. Après Harry Bradley, d'autres designers sont arrivés, comme Harry Guilford de chez Chrysler, qui a fait la Twin Mill, et Larry Wood de chez Ford, qui a conçu la Bone Shaker originale. Mais dès le départ, leur objectif était clair. Faire des voitures conçues pour rouler à des vitesses surréalistes sur un circuit en plastique. Waouh! Bien bossé le sujet! Bossé? Bah, j'ai mémorisé ça quand j'avais 6 ans. Tiens, un truc super intéressant. Depuis 1968, les couleurs font toute la différence chez Hot Wheels. Au début, c'était l'application d'une laque transparente sur un moulage en zinc poli, la peinture Spectra Flame. Et ça donnait un effet métallique incroyable, proche d'une vraie voiture. Depuis, Hot Wheels a développé ses techniques de peinture pour obtenir toute une variété de looks et d'effets. C'est fou, non? Il y avait aussi le liseré rouge sur les pneus, comme sur la voiture que tu pilotes en ce moment. Les pneus à liseré rouge étaient trop classe. Ils sont caractéristiques de cette époque et sont très recherchés par les collectionneurs. Beau pilotage. Tiens, prends la Nash Custom de 1957, gagnante du Legends Tour 2019. Merci, Ellie. J'ai appris plein de trucs. Faudra qu'on remette ça.
Faites demi-tour dès que possible. Vous avez atteint votre destination.